L'association de l'Institut al-Rachidi de la musique tunisienne a été fondée en 1934 afin de préserver le chant tunisien et la musique traditionnelle d'origine andalouse, appelée le malouf. Elle a été la première institution musicale créée en Tunisie et l'une des plus anciennes institutions de musique arabe. Son nom, en référence à Mohamed Rachid Bey, souverain du XIIIe siècle, féru de musique et de littérature. Aujourd'hui, située à la rue Bir Lahjar dans la Médina de Tunis, elle renferme un trésor unique du patrimoine culturel andalou-tunisien, contenant des morceaux de musique appartenant aux plus grands musiciens du malouf. Compte tenu de l'âge de ces documents et des conditions d'archivage non adaptées, ces archives sont aujourd'hui en danger. La Rachidia a dû restreindre leur accès temporairement afin d'assurer leur conservation. La Rachidia souhaite donc lancer une opération qui vise la promotion du malouf et la numérisation des archives. Le programme s'articule autour de trois étapes. Première étape, la sauvegarde des archives qui consiste à répertorier les documents existants et leur garantir un nouvel archivage. Deuxième étape, l'ouverture du malouf au grand public à travers la création d'une bibliothèque numérique qui sera accessible sur le web. Troisième étape, le réaménagement de l'Institut qui vise à améliorer les échanges au sein de la Rachidia par la création d'un café culturel et d'un espace d'enregistrement pour les musiciens. Dans cette urgence, nous souhaitons initier la création de notre bibliothèque numérique. Et pour cela, nous avons besoin de votre soutien. Nous sommes un collectif d'associations, entreprises sociales et institutions regroupées autour de la Rachidia qui œuvrent pour la sauvegarde et la promotion du patrimoine tunisien. Notre collectif est constitué de Dar Ben Gassem, Association Aswar El Madina, Association des étudiants architectes innovateurs, Association Carthagina, Doulacha, Association de sauvegarde de la Médina, Institut national du patrimoine.